me réveille, 7h, vite chômeur. Je voulais voler de ma chambre, je vois Cholet vide de vie et empli de tristesse. De Bourneuf jusqu'à la rue Georges-Sand, je descends vers le centre pour mâcher mes clopes hebdomadaires, éclairés par des vieux lampadaires. En passant par la place Travaux, rempli de gens qui ont rien à faire, je me pose avec eux et je repense à l'année dernière. J'étais lycéen, dans ce pack-là appelé chemillé. Bordel, là-bas j'en ai chié. Tu peux vérifier, genre de ville rempli de vieux insignifiants. Jeune avec plus d'MST que de casse dans le sang. Deux profs à deux doigts de se mettre une balle. Des rues remplies de dizaines de cams dans la campagne, dans son côté le plus noir. La nuit noire va falloir ne plus croire mon histoire. Méfie-toi, tous ces squares dérisoires. Monte dans un bus rempli de personnes qui parlent trop fort pour toi. Hey hey, traverse le département, allez juste une fois. Hey hey, avec mon sac à dos et ta mauvaise foi. Hey hey, se pourrait-il que Maine-et-Loire ce soit sympa. Hey. Après, t'as la lampe normalement. Vous vous souvenez du billet tout à l'heure? C'est quoi? On vient de parler. Est-ce que vous pensez avoir un peu plus d'imagination? Je sais pas. Ton premier spectacle, c'était quand et c'était où? Mon premier spectacle, alors je peux te dire la première fois que je suis monté sur scène, j'étais tout petit et donc moi, mon père faisait des spectacles dans un cabaret, il avait un hôtel-restaurant et ça c'était la devanture du cabaret au Fou du Roi, c'est pour ça que je l'ai récupéré et il faisait des spectacles, donc moi depuis tout petit je voyais ça et ça me fascinait depuis enfant ces tours de magie. D'ailleurs il avait un tour avec une paire de ciseaux où à chaque fois c'était un trucage, le ciseau était truqué. Et à chaque fois, il faisait croire qu'il y avait une des lames de la paire de ciseaux qui tombait par terre. Et en fait, elle restait collée. Et moi, à chaque fin de spectacle, j'allais chercher sur la scène la bout de lame de la paire de ciseaux parce que je comprenais pas comment ça marchait. Trois de trèfle. Trois de trèfle. Tu veux t'arrêter là-dessus sur le trois de trèfle? Ouais. Regarde, j'ai retourné une seule carte dans le jeu. Ce qui serait marrant, c'est que ce soit ta carte. Hein? Alors. Une corque. Et une. Hein, trois. Trois, c'est ça. Oh. Voilà. Vas-tu nous révéler des secrets? Tu veux que je te révèle un secret? Ça te ferait plaisir? Oui. Eh ben non. Tu veux que je te fasse un tour? Alors on va prendre ça. Je te montre un tour de magie. Mon jeu, il est neuf. Donc, tu vois, il y a plein de cartes différentes, comme ça. Regarde, on va prendre ce que je vais faire. Par contre, je vais me reculer un petit peu. Et puis, je prends une carte, comme ça, une carte à jouer. Et je vais essayer de prendre le verre comme ça et de le poser dessus. Mais ça va être un petit peu... Tu vois, tu poses le verre. Je te rends sur une carte. Tu vois ? J'ai vu. C'est marrant ? Est-ce que tu vois comment ça marche? Tu tiens avec tes pouces derrière, non? Ah non, j'ai lâché les mains. En fait, il a deux cartes. Eh oh, pop, eh, dévoile pas. Essaye de le chercher. Non, mais ce qui est intéressant, voilà, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, voilà, comment ça marche. À ton avis, comment ce truc-là marche? Parce que c'est pas tellement intéressant de savoir le truc, parce que tu vas être très déçu quand je vais te montrer le truc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, eh bien, moi j'ai vu ça, j'ai vu un verre qui en apparence tenait sur une carte, comme ça, d'accord? Mais si tu le fais, tu vas te rendre compte que c'est pas possible. Oui. Donc maintenant, comment toi tu ferais pour que ça puisse marcher? Comme ça? Mais des cartes comme ça? Comment? Deux cartes comme ça? Oui. Comme ça? Oui, mais là, regarde, pareil, ton verre il va tomber là. Je sais pas. Tu sais pas? Tu veux que je te montre le trucage? Tu cherches pas encore un peu? Non. Non? Ma langue chat. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai vraiment appris en magie. C'est que il y a beaucoup de choses que j'ai observées et je me suis dit, tiens, comment ça peut marcher? Comment ça peut. Et après, quand tu commences à trouver, c'est vachement plus. Ça te marque beaucoup plus quand c'est toi qui trouves les trucs. Parce que tu te dis, ah la vache, c'est que ça en fait. C'est d'une logique implacable. Et en magie, on va toujours aller, généralement, au plus simple. Pour faire quelque chose, on va jamais trop se compliquer la vie. Enfin, en tout cas, dans la logique, c'est de l'illusion, c'est de la science, hein, c'est de l'optique.
Et donc, toi, tu as une carte comme ça. Et tu as une carte qui est collée. J'ai collé une carte en double face. Et tu vois, il y a une autre carte qui est là. Et ce qui fait que quand je suis derrière, je suis là, je prends la carte. Donc, je fais semblant de choisir une carte au hasard dans le jeu. Et toi, tu sais très bien que ça, cette carte-là, avec celle-là, ça ne marchera pas. Hein. Et derrière, bah, tu prends la carte. Et en tenant la carte, tu vois, tu fais ça avec ton pouce. Et en emmenant le verre, tu attires l'attention sur le verre. Tout le monde regarde le verre. Et à ce moment-là, toi, tu fais ton petit truc comme ça. Tu poses le verre ici. Et ça tient. Tu vois. Et après, tu reprends la carte. Clac, tu montes. Toujours, tu réattires l'attention sur le verre. Tu vois le verre, pas. Et après, tu peux faire semblant. Faut éviter. Enfin, moi, je suis pas trop pour toujours montrer comme ça les cartes. Quand on fait un nœud. Voilà, on se retrouve avec une corde avec un nœud. Mmh. Et là, j'ai une paire de doigts. Ouais, si tu vois une paire de ciseaux. Ouais. Et tu vois, tu fais juste ça, clac. Tu vois, tu coupes la corde. Ce qui fait que tu te retrouves avec une petite corde et une grande. Mais c'est injuste d'avoir une petite corde et une grande corde. Donc il faut, on va essayer de qu'elles soient de la même, comme ça. Hop, elles sont juste de la même. À peu près. Comment t'as fait? Tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi. il y a une phrase d'un monsieur qui s'appelle Pierre Richard, qui est un comédien français, qui est assez connu, et qui disait, en parlant de Charlie Chaplin, vous connaissez Charlie Chaplin? Oui. Buster Keaton, c'est pareil, c'est des mêmes. C'est Buster Keaton, Jacques Tati sont des réalisateurs, des cinéastes, des comédiens. Et donc, il disait, ce que je ressentais comme tout le monde, ils m'en ont parlé comme personne. Et pour moi, c'est ça l'essence même d'un artiste, c'est qu'on va exprimer des choses que tout le monde ressent. Mais ce qui va être différent, c'est de la façon dont l'artiste va avoir d'exprimer ces sentiments-là. Voilà, attends. J'ai peur là. Mais non, t'as pas peur. Mets-le un peu plus bas. Mets-le là. T'es prêt? Viens. J'ai un téléphone. Et voilà, c'est juste ça. Donc en concurrence, comme ça n'existe pas, donc c'est seulement juste une imagination. Non, ça ne pas. En fait, il y a deux parois là. Je dis qu'il est en train de monter là. Non, il n'y a pas de parois là. Ça, c'est de la magie, ça, je peux pas. Ça, c'est vraiment de la magie, il faut avoir un don. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est de l'humour, hein, c'est une blague. Hein. Je sais. Un département un peu basique, mais avec une grande histoire. Un département royal, car la Loire est avec moi. Un pur Angevin, mais avec un mental de Choletais. Un flow très simple, pour ce département que j'aime. 5, et un costaud départ une 45. Le coup deux fois, avec les plaquettes. Les JO, c'est les Jeux Olympiques. Et en fait, je les ai déjà fait en 1988. Alors, pour ma part, maintenant, ça va être les JP, les Jeux Paralympiques. Donc, c'est les Jeux pour les personnes en situation de handicap. Ce qui me pousse à le faire, c'est déjà, c'était au départ une sensation de bien-être de recommencer à nager. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'aime bien gagner. Et ce qui me motive, c'est qu'à ce jour, je serai la première Française à pouvoir faire en natation des Jeux Paralympiques et des Jeux Olympiques. Un département un peu basique, mais avec une grande histoire. Un département royal, car la Loire est avec moi. Un pur Angevin, mais avec un mental de Choletais. Un flow très simple, pour ce département que j'aime. J'ai commencé à nager à 4 ans, jusqu'à 20 ans, où là j'ai eu une première carrière, on va dire. Et j'ai recommencé à nager il y a 2 ans. Alors, ma maladie, je l'ai connue en 2008, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, héréditaire et génétique. Donc on avait vite fait le rapprochement puisque mon papa était atteint de cette maladie et toute ma famille du côté de mon père.
on a tendance au départ à se dire, bah, je vais plus faire ci, plus faire ça. Et puis en fait, arrive à un moment donné où l'esprit fait différemment. Et l'esprit se dit, mais à la place de ça, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses, enfin, des choses différentes que j'aurais même pas imaginé faire. Parce que le corps et l'esprit humain est bien fait. Et dès qu'il y a un manque quelque part, en fait, il va compenser par d'autres choses. Je suis maman de 3 enfants, plus 3 autres enfants, puisqu'on est une famille recomposée, comme on dit. J'ai ma famille, la famille de sang. J'ai ma famille de cœur avec Angers Natation de course. Et puis j'ai ma famille, en fait, de supporters avec comme la Dalle Angevine et toutes ces personnes qui croient en moi, en fait. Comment gérez-vous votre vie familiale et entraînement sportif ? La vie de famille, elle est avec un accord aussi avec mon chéri. Puisque quand j'ai repris à nager, reprendre à nager, ça sous-entend beaucoup de temps, beaucoup d'heures, où on n'est pas disponible. Et c'est un contrat moral, en fait, qu'on a effectué tous les deux pour se dire que ben, jusqu'en 2020, je serai pas disponible comme j'ai pu l'être au début de notre relation. C'est mon département, je peux pas faire autrement. C'est mon département, je peux pas faire autrement. Il m'a fait voir le jour, je lui en suis reconnaissant. Ces bâtiments fades, mais rayonnants. Il vous reste combien de temps avant les JP, c'est ça ? C'est très bien. Je vais la redire. Non, c'est très bien, c'est exactement ça. Alors, avant les JP, les Jeux Paralympiques ont lieu en 2020. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de longueurs de bassin à effectuer. Il me reste encore beaucoup d'heures d'entraînement à faire. Et je suis à la moitié de ce que j'ai pu recommencer en 2016. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui participent. J'ai fait partie de ceux qui participaient. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que pour les Jeux Paralympiques, je fasse autre chose que simplement participer. Et là, cette fois-ci, de me rapprocher vraiment des podiums. Ces rues étroites, pourtant tellement grandes. Ici, je sais que je suis à ma place. Ici, je sais que je suis chez moi. Je t'ai toujours critiqué. Je t'ai jamais mis en valeur. Tu m'as toujours supporté. Et sur scène, tu mets en valeur. Il pleut souvent, même si les gens sont accueillants. Ma ville est la plus sportive de France. J'ai du mal à en prendre conscience. C'est le Maine-et-Loire, pas l'Île-de-France. C'est mon territoire, c'est toute mon enfance. Avec le temps, je prends mon temps. Je ne suis pas Jean Boulin, hein, tu sais. Non, j'étais tout simplement dans la résistance. Je faisais partie du réseau Libénor. Et puis bien, ma mission a été de recevoir des tracts lancés par des avions anglais et que je devais remettre dans les boîtes à lettres. On savait qu'il y avait des risques, mais tu sais, quand on m'a... Mon âge que j'avais 17 ans, on n'est pas conscient des risques. Et puis on avait été élevé dans la bourde de la France, tu sais, peut-être, parce que nos parents l'étaient. Et puis ma foi, ben, on voulait faire quelque chose. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas rejoint le général de Gaulle en Angleterre ? Parce que j'ai été arrêté en 1944 seulement. Et puis en 1944, le débarquement allié était prévu, mais il a été différé de plusieurs mois. Et les consignes de Londres sont venues, et puis au lieu d'essayer de passer en zone libre, comme ceux qui nous ont précédés, ils ont dit « vous restez sur place et vous attendrez le débarquement pour aider les troupes alliées dans leur mission ». Il y a eu une période transitoire là, et les gens, du fait que la date du débarquement a été reculée, et les gens ont commencé à bavarder, certains ont trop bavardé. Le 19 février 1944, j'ai été arrêté par la Gestapo avec tout le groupe de Libénor, c'est-à-dire 80 personnes, des hommes de la région d'Angers. Ça s'appelle un mutze en un nom. Un mutze, ça veut dire un béret. Voilà. Hein ? Et il date de... Il date de là-bas, hein, ça, celui-là, j'ai ramené, parce qu'on n'avait plus rien. Hein. Mon nom, Mingo, a été rayé.
j'étais 62,739. Tu te rappelleras. Hein? Et puis, après, là, j'ai travaillé dans la carrière de granit pendant cette quarantaine. Carrière de granit parce que Mauthausen était réputé pour la qualité du granit qui était extrait de cette carrière. Après, on nous a affectés, après avoir été immatriculés et puis avoir reçu un habit de baignard rayé blanc et bleu, et expédié à Melk pour y creuser une usine souterraine dans la colline, et usine souterraine qui devait occuper 20 000 individus. Voilà, alors nous étions là-bas, mais condamnés à mort quand même. Parce que quand on entrait dans un camp de concentration, il est évident qu'on nous disait « Vous entrez ici par le portail, mais vous n'en sortirez que par la cheminée du four crématoire. » Et c'était le plan prévu. On devait vivre 6 mois maximum. C'est pas long, hein ? Ouais. Surtout quand on a 18 ans. Si les témoins ne disent rien, eh bien tout ça, c'est oublié. Hein ? C'est oublié. Qui se rappelle maintenant des gens qui sont morts en 1945 ? Hein ? Personne, alors. Il y a quand même... Les noms, ça n'importe. C'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier la nature du crime allemand. Pourquoi ils ont tué autant de gens ? Pourquoi ont-ils voulu tuer tous les Juifs ? Hein ? Les Juifs, c'était des hommes aussi, des hommes et des femmes. Et les derniers enfants juifs qui ont été déportés ont été des Juifs qui étaient dans le séminaire à Angers. Le 6 mai, les Américains sont arrivés, ils ont ouvert les portes du camp. Mais ce camp, on était tellement affamés les uns les autres qu'on n'a même pas apprécié le jour de cette libération à sa juste valeur. On n'a pas apprécié parce qu'il y a eu tellement, tellement de morts. Plus de la moitié, les deux tiers des gens sont morts là-bas. Il y avait des morts partout. Et oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette période de la résistance ? Melk. Un camp où il y avait 15 000, 20 000 personnes. Et puis, il arrivait de Hongrie des convois de juifs hongrois. Et parmi ces... C'était des adultes. Moi, il n'y avait que des hommes dans ces convois-là. Mais il y avait des enfants aussi. Il y avait des enfants et un jour, j'ai vu les enfants séparés et des groupes d'enfants qui habillés dans des tas de tenues de bagnards d'adultes. Et ces enfants, je les voyais passer. Je les voyais passer pendant un jour, pendant 2 jours. Et puis un jour, on ne les a plus revus parce qu'ils avaient été assassinés. Il a fallu que j'aille voir les familles de tous ceux qui étaient morts parce qu'ils savaient que j'étais rentré. Ça devait être un moment pénible. Alors, en général, c'est les mamans surtout qui accusait mal le coup. Hein. Oui. Alors il y en a qui plaignaient, qui pleuraient avec moi éventuellement. Oui. Puis il y en a qui m'en voulaient parce que moi j'étais rentré et puis pas le fils. Alors il y en a une qui me disait mais pourquoi tu es rentré et pas lui ? Alors, là, Dieu seul le sait. Voilà. Un soldat allemand a mis un titre. C'était mon copain, mais que je ne reconnaissais pas. Il avait la figure toute noire. Il avait été tabassé. Et puis, alors il m'avait dénoncé. Ouais, d'accord. Il m'avait dénoncé, mais je lui ai pardonné parce qu'il a dérouillé. Hein. Oui. Puis j'aurais peut-être fait pareil, moi, si j'avais été pâté. Hein. Sachant que oui. La torture était monnaie courante et qu'il fallait tenir le plus longtemps possible. Ah, bah, en général, il craquait.
En portant du couchon les fuyantes clartés, et pareil à celui des oiseaux attristés, le vol des souvenirs s'allonguit dans l'espace. Tu vois, là, tu vois. Là. Voilà. La guerre, je crois que c'est. J'espère que ça n'est pas un vice de l'homme, parce que la guerre, ça sert à tuer des gens, quoi, au final. La haine, je ne l'ai plus, parce que je pense que ça ne sert à rien. Et que maintenant, il y a tellement. Je vois encore la guerre partout, ça me fait mal. Voilà. Est-ce que j'ai répondu correctement ? La Beaulieu-Ange ville, on passe par Chemillé et enfin Trémentine. Puis, retour dans ma ville, que je vois remplie de folie, de sourires, de touristes. Il est 19h30 maintenant, je vois Cholet d'un nouvel angle. Je vois tous les gens qui attendent de voir Ben le magicien les surprendre. Cholet n'est pas... Tu peux tenir la Ouais, mets juste le pied dessus, s'il te plaît. Allez. Je me présente Nicolas Billot, donc je suis de Montaigu en Vendée et je suis pilote moto et je viens de participer au Dakar de 2018. Voilà la belle. Avec un copain, en buvant une bière, deux bières, on a tapé dans la main en se disant « Allez, un jour, on ira au Dakar ». Et ça a commencé comme ça, tu vois. La moto, elle coûte cher ou pas ? Ah oui, c'est vraiment une... ça n'a rien à voir avec une moto d'enduro, une moto de cross. C'est vraiment une moto de rallye conçue pour faire que du rallye et c'est une moto qui vaut quand même 32 000 euros. Voilà, c'est toute cette partie réservoir là, ça, enfin carénage, sont des parties réservoirs. Donc on a 35 litres d'essence embarquée, enfin vraiment c'est vraiment une moto conçue pour faire que du rallye et KTM, c'est une KTM, ils en font 80 pour le monde entier. Donc c'est très peu et par contre c'est une moto qui est très performante. C'est la moto qu'il faut avoir. D'accord. Bah, et je vois que devant la moto, il y a une malle et une tente, mais ça vous sert à quoi ? Alors, tout à fait, c'est la catégorie où j'étais, moi, cette année. J'avais pas de team d'assistance où j'avais la possibilité de dormir dans un camping-car ou à l'hôtel. Et j'avais pas de mécanicien non plus, donc j'étais dans la catégorie originale, malle moto. C'est-à-dire qu'on on était 27, donc il y avait un camion qui s'appelle malle moto qui nous transporte notre malle avec tous nos outils. Nos pièces pour la moto, on a le droit également un sac de sport pour nos affaires personnelles, notre duvet, et puis la toile de tente. Donc on dort dans une toile de tente qu'on monte tous les soirs, et le matin avant de partir, on la remplit. Et la malle sert bien sûr à faire la mécanique de la moto, donc vraiment on est sans assistance, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a personne d'autre qui s'occupe de nos affaires et vraiment on est dans la catégorie certainement la plus compliquée, la plus dure du Dakar. Qu'est-ce que l'enduro ? Alors l'enduro, déjà c'est pas les mêmes motos du tout, c'est des motos qui sont plus légères, c'est comme des motos de cross mais avec une plaque phare, c'est des motos immatriculées avec une plaque d'immatriculation, une carte grise avec des phares avant-arrière. Tu peux rouler dans des chemins comme des chemins des fois un petit peu tout terrain. Une moto comme celle-ci, c'est pas adapté pour rouler en enduro, c'est bien trop lourd, ça braque pas, c'est pas maniable, tout ça. Donc l'enduro, c'est vraiment encore un autre sport. Tu vois, il y a de motocross qui est sur un circuit fermé, après on a de l'enduro qui est sur un circuit dans des chemins, comme tu peux rouler en vélo. Et après le rallye, c'est encore autre chose. Tu vois. C'est la différence de la catégorie enduro. Vous pouvez démarrer la moto, s'il vous plaît ? Ah oui, pas de problème. Alors voilà, la partie.
navigation, c'est sur un, admettons un rallye, il y a 50% de pilotage et le reste c'est de la navigation. Donc comme un jeu de piste, on va dire. Donc à la base, pour la navigation, vraiment on se base avec le roadbook que nous donne tous les jours l'organisation. Donc le roadbook, bien ça marche avec le petit bouton qui est là. Tu vas avoir ici le kilométrage 118,81. Admettons ici ASS, c'est-à-dire c'est l'entrée de la spéciale avec le drapeau sur cette partie-là. Donc là tu vas avoir des barrières de champ, tu vois ici j'ai plein de petits symboles qui font que nous on les connaît. Hein. Et 118, 810 plus 960 mètres égale un total de 119,770. Et là tu as une bifurcation à gauche. C'est moi qui ai flouté. Hein. Tout ce qui est vert, c'est la direction. Tout ce qui est rouge, c'est tout ce qui est soit des dangers ou c'est des choses très importantes. Okay. D'accord. Et donc, la navigation, c'est ce que je viens de t'expliquer. Entre le roadbook, les kilométrages. Les kilométrages sont avec, ici, j'ai un compteur. Mmh. On appelle ça un trip kilométrique en rallye. Et de temps en temps, on va avoir aussi des... Ici, de temps en temps, on peut avoir aussi des caps, comme en pleine mer, en bateau, cap 50 degrés, 82 degrés, des trucs comme ça. Et là, on a un répéteur de cap. Et tout est branché avec les antennes satellites. D'accord ? Et donc, on sait que dans le désert, on n'a pas de piste. Donc, vraiment, on roule dans un univers de dunes, de sable. Donc, vraiment, il faut vraiment avoir un cap et s'y tenir pour aller chercher les points GPS. Là, on a waypoint 1, waypoint 2. Comment gérez-vous le stress et la peur ? J'ai pas stressé du tout dans le sens où moi je m'en allais dans une philosophie où c'était pas une compétition où j'allais chercher un classement. J'allais vraiment chercher une endurance de finir le Dakar sur 14 jours. Enfin, c'est vraiment une endurance de 14 jours et il y a 9000 km. Donc celui qui me dépasse, il me dépasse. Ça fait rien, il va plus vite. Ça fait rien, tu vois, si admettons je finis 50e de la spéciale, bien je sais que ça sera ma place. Quand on fait le Dakar, qu'est-ce qui compte le plus, le physique ou le mental ? Sur 14 jours, il y a un moment, les nuits sont de plus en plus courtes et d'avoir le fait d'avoir des nuits courtes pour faire des grosses étapes, il y a un moment, il faut aussi du mental parce que si on n'a plus le physique, on n'a pas assez dormi pour faire, admettons, 600 ou 700 km le lendemain dans des conditions des fois assez compliquées. Le mental est super important. Moi, je sais qu'il m'a, c'est lui qui m'a emmené au bout de cette aventure cette année. Et là, pour le deuxième, j'ai réussi à le finir quand même. Donc, toujours la même émotion. On a toujours les yeux un peu humides sur la fin de ce Dakar. Donc, finisher. Moi, j'avais mon petit slogan cette année qui était « La seule limite, c'est soi-même ». Et c'était facile, surtout après ma chute, mes blessures, de me dire « j'arrête ». Ça aurait pu être très facile d'arrêter. Mais j'ai 54 partenaires, ils ont tous cru en moi. Moi, mon but premier, c'était vraiment d'aller au bout de cette course. Partie du club de Cholet Moto Verte et on est ici sur le terrain de la Papinière à Cholet, à côté de l'aérodrome, et on est ici pour présenter monsieur Billot, monsieur Nicolas. Pas grave, on la refait toute dans la foulée.
couper les bottes. Mon dans un bus rempli de personnes qui parlent trop fort pour toi. Hey, hey, traverse le département, allez juste une fois. Hey, hey, avec ton sac à dos et ta mauvaise foi. Hey, hey, se pourrait-il que Maine-et-Loire se soit sympa. Hey, je fais un son rempli niaiserie, mais aussi de bonne attention. Un peu comme tous ces mères, ces patrons qui pensent connaître les jeunes dans une mauvaise perception. D'un côté, je suis sûrement pareil, car chemillé, c'est aussi sa vieille église et ses ruelles, ses kebabs, ses pizzas dans les parcs sympas avec du bon son dans les oreilles. Bref. Moi, j'ai commencé à décorer ma maison il y a une vingtaine, 25 ans, quoi. Et ça m'est venu comme ça. Ma femme m'a dit, ça va pas, tu vas être le seul dans le quartier avec des grosses ampoules. C'est des ampoules qu'ils mettaient dans les quartiers, des ampoules de. Des ampoules de 25 watts, quoi. TF1 Non, TF1, peut-être pas encore, quand même. Pourquoi décorez-vous votre maison? C'est l'esprit de Noël, je m'appelle Noël. Alors bon, moi, j'ai commencé comme ça. Et puis, les enfants, ils sont contents, tout le monde vient voir avec les parents. Tout le monde est content. Monte dans un bus rempli de personnes qui parlent trop fort pour toi. Hey, hey, traverse le département, allez juste une fois. Hey, hey, avec ton sac à dos et ta mauvaise foi. Hey, hey, se pourrait-il que Maine-et-Loire se soit sympa. Hey, je fais un son rempli niaiserie, mais aussi de bonne attention. Un peu comme tous ces mères, ces patrons qui pensent connaître les jeunes dans une mauvaise perception. Et tous les jours, c'est des dizaines de voitures. Il y a intérêt à faire attention. Faut faire attention en redescendre parce que. Faut pas se taper dedans, quoi. Moi, je mettais un truc sur la route pour voir combien de voitures il passe, mais on n'a pas fait ça encore. On a mis des LED Walker, quoi. C'est des trucs, des lampes économiques, quoi, que des LED. Et après, ça a été programmé. C'est un carnavalier qui m'a programmé ça. C'est le premier truc qu'il y avait à faire. Maintenant, je commence à savoir, parce qu'ils m'ont expliqué quoi, comment faire. Mais... Alors, au char de carnaval, il y a plein d'idées. Quoi. Il y a des, c'est là qu'il faut venir voir. Alors, il y a des fois, on fait trois couches. On met du papier, des affiches qu'on récupère à la ville de Cholet. C'est du recyclage, tout est du recyclage. On recycle tout le papier. Et les couches de peinture, vous faites à peu près 200 couches ? Non, deux de vinyle, deux couches de vinyle. D'accord. Et après, une couche de peinture, la finition pour la peinture. Oui, deux couches de vinyle, c'est par exemple le blanc. Oui, voilà, c'est ça. Puis là, et puis l'autre couche, c'est la couleur, quoi. Voilà. D'accord. Tout à fait. Hey ! Je me retrouve à la gare routière. Saumur, c'est beau, mais je recherche un autre air. Je prends un car qui me ramènera à Cholet. Mais avant, il me fait passer par Angers. Cette ville où j'ai eu mon bac a vraiment presque rien. Les gens là-bas sont vraiment divins. Une gentillesse et un sens de l'écoute. On dirait pour eux ça paraît presque rien. On quitte la banlieue Angeville. On passe par Chemillé et enfin Trémentine. Puis, retour dans ma ville. Que je vois rempli de folie, de sourires, de touristes. Il est 19h30 maintenant. Je vois Cholet d'un nouvel angle. Je vois tous les gens qui attendent de voir Ben le magicien les surprendre. Cholet n'est pas une ville morte, une trie ennuyeuse. Si on cherche bien, Chemillé n'est pas bien mauvaise non plus. Quand je repense à tout ce qu'à là-bas j'ai vécu. Saint-Christophe Molévrier, c'est pas de l'impaumé qu'il faut surtout pas oublier. Mais le meilleur ce sont tous ces gens. Le Maine-et-Loire a pas fini de me surprendre. Ici ils font tous les kits d'éclairage pour la nuit. Ils mettent les ampoules, ils préparent déjà les ampoules, ils mettent les ampoules. Ils soudent tous les fils. Tous les fils avant. Quoi. Sur les guides. Et de l'autre côté, là, c'est des. Il fait des essais pour faire les jeux de lumière pour la nuit. Quoi. Voilà. Je viens soit le matin, soit l'après-midi, ça dépend. Ça va, Nono? Toujours aussi mignon, toi. Ah, non, tu dragues. Non, je vais t'attacher ton cou. Ah, oui.
les prix qu'on vend, on vend cher. Et puis après, on a un prix par la ville de Cholet. Tout le monde a un prix. C'est suivant les classements. Quoi. Combien y a-t-il d'équipes ? 12 équipes. Ici, on est 11. Après, il y a 13 équipes parce qu'il y a le char à brûler, l'équipe du char à brûler, l'équipe de Saint-Christophe. Et là, on est 11. Alors, ça fait 13 équipes. Bon, c'est bon.